Un film comme premier épisode de Free Eren, les arrêts de commercialisation d'Okana, la bande-annonce principale de l'anime Shy et le premier trailer de l'adaptation de Spice and Wolf. Bonsoir et bienvenue sur Mangactu et voici les actualités du jour concernant les animes et les mangas. Et on va commencer avec une actualité que j'ai pas eu le temps de traiter ces derniers jours. Les éditions Kana ont annoncé que le premier tome de Logorizon ainsi que le one-shot Gringo de Osamu Tezuka seront plus commercialisés à partir de demain le 30 juin. Du coup, si ce tome vous intéresse, je vous conseille très fortement d'aller rapidement en librairie parce qu'elles ne seront plus réapprovisionnées. Passons à l'actu anime avec l'adaptation de Free Eren qui a reçu son deuxième trailer. On y apprend que son premier épisode durera 2 heures. C'est scandaleux. Est-ce qu'on va vers une méta Oshinoko? Et qu'il sera diffusé à partir du 29 septembre. Maintenant, c'est au tour de l'adaptation anime de Shai qui a reçu une deuxième vidéo promotionnelle. On y découvre son opening, sauf qu'ils ont oublié de nous donner le nom, ainsi que sa date de sortie. Il sortira en octobre 2023 et sera réalisé par le studio 8bit qui a réalisé Blue Lock. Et pour finir, nous avons eu un premier trailer pour le remake de Spice and Wolf qui sortira en 2024. Il sera réalisé par le studio passionné et aura le droit à Kevin Penkin, le dieu vivant des OST, pour réaliser ses musiques. Vous savez, Made in Abyss, Tower of God, The Rising of the Shield Hero, voilà. Ils ont aussi précisé que cette nouvelle adaptation sera plus complète que les deux premières saisons sorties entre 2008 et 2009. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu.